Allez, Seb, regarde un petit peu mieux. Hein. Me dis pas qu'il n'y a pas un petit colis. Non. Pas un fan. Rien. Pas une marque qui a envie que je fasse parler d'elle en ouvrant la boîte. Ouais, c'est pas possible, ça. Non, là, on arrête avec les spéciales Johnny Hallyday. J'ai l'impression qu'il meurt chaque semaine. Parlons de Laetitia. Ça intéresse les gens. Voilà. Emballer, c'est peser. Salut. Coucou, Sophie. Wouhou ! On atteint le terme, hein. Ça va, toi ? Bof, je suis comme un avion qui va se cracher en plein vol. Une figure publique qui devient une défigurée privée que plus personne ne regarde. Enfin, pourquoi ? Il y a du courrier pour moi, Sébastien. Monsieur Guillaume, je vais le chercher ? Oui, s'il vous plaît. Oh, plus personne ne m'aime. Ça se trouve, même mon bébé ne m'aimera pas. Merci, Sébastien. Oh, tu reçois plein de colis, toi. Ouh là là, toi, t'as besoin qu'on parle deux minutes, hein. J'ai même pas reçu une carte postale, même pas une photo de gaufre de stand, rien. Pourtant, ça m'aurait fait plaisir. Et toi, regarde, tu reçois plein de boîtes. J'étais connue avant toi, hein, quand même. Mais quel métier ingrat, je te jure. Oui, on peut le voir comme ça. Oh, en parlant de boîtes, t'as entendu qu'ils allaient mettre des boîtes noires dans les voitures des gens qui roulent trop vite? Un peu comme dans les avions. Quoi, les avions roulent trop vite? Non, mais allez, ça veut dire que dès que je vais faire un excès de vitesse, la police le saura? Si un juge le décide, oui. Oh, t'as commandé des chocolats? Non, ça doit être un cadeau, regarde, il y a un mot. Ouais. Cher Antoine, nous espérons que vous vous régalerez avec nos nouveaux chocolats et blablabla. Hashtag ma vie en chocolat. Pourquoi moi, personne ne veut me corrompre avec du chocolat? Non, non, mais vas-y, mange-les. Hein. De toute façon, moi, j'ai arrêté le sucre. Je consomme plus que de la stevia bio équitable récoltée par des local women et sans gluten, évidemment. Non, mais donc, je te disais, ce projet de boîte noire, c'est une des nouvelles techniques alternatives pour réduire le nombre de tués sur nos routes. Quoi, alors la boîte noire ira tout racuspoter à la police dès que je vais aller trop vite? Plus moyen de se cacher. Non, et comme pour ton éthylotest anti-démarrage, ce sera à la charge du contrevenant. 250 euros pour la boîte et 750 pour les frais liés à l'encadrement. Donc, 1000 euros? Non, à ce rythme-là, moi, je vais arrêter de faire des infractions. Hein. Oui, c'est un peu le but du dispositif. En même temps, ils sont en phase de test, là. J'ai eu le temps, c'est bon. Oh non, non, non. En 2021, tous les nouveaux modèles de voitures en seront équipés. La seule chose, c'est qu'elles ne seront pas directement reliées à la police au début. Sauf, tu vas les manger tous? Bon, ouais, faut bien que je comprenne ce manque d'amour de mes fans, hein, c'est vrai. D'ailleurs, si les tiens te connaissaient vraiment bien, ils t'offriraient pas des chocolats, mais des vieux vinyles avec des vieilles chanteuses, enfin bon. On a les fans qu'on mérite, hein. Oui, et bah tu sais quoi, garde-la et étouffe-toi, je te laisse avec ta jalousie et ta boulimie. Je suis pas jalouse et je suis pas boulimique, ok? Moi, je suis enceinte, donc je peux tout me permettre. Je suis hyper zen, super détendue et j'attends le bonjour de ma vie. Pour manger le chocolat.